Le 6 juin 1944, les foudres des forces alliées s'unissaient à la flamme de la résistance. Allumée 4 ans auparavant, au cœur de l'obscurité. La nuit du devoir est parfois obscure. Et dans cette nuit, l'espoir, la lueur, a parfois les échos d'une voix qui, pour être solitaire, n'en est pas moins puissante lorsqu'elle incite à lutter contre le renoncement et invite à tous les sacrifices. C'est la voix du troisième titan, au nom prédestiné. Appelant de la résistance sous la bannière de son cher et vieux pays. Il était seul. Il avait le nom d'ancienne France. Il était l'avenir. Il s'appelait Charles de Gaulle. L'honneur, le bon sang, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres. Continuer le combat, là où ils sont et comme nous le pouvons. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Ce sont des forces françaises de la 2e DB du général Leclerc qui entrèrent les premières devant leurs frères d'armes américains dans un Paris soulevé, un Paris libéré. Encore vivants leur appartiennent à la condition de nous aimer.